Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Berzane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 8e arrondissement, l'arrondissement pour lequel ont été votés à la dernière session du Grand Lyon une enveloppe de 3 millions d'euros pour réaménager l'avenue des Frères Lumière. Donc ce sera une piétonnisation, une végétalisation. L'opposition s'inquiète d'un investissement dans un secteur qui fonctionne déjà bien et se demande si la piétonnisation n'est pas un risque pour les commerces. Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit, et d'ailleurs qui ne sont pas tout à fait exactes, donc je vais essayer de remettre les objectifs clairs du projet là-dessus. Alors déjà, ce n'est pas que l'avenue des Frères Lumière, hein, c'est l'avenue des Frères Lumière entre la place en Basse-Courtois et la faculté. C'est la rue du Premier Film, qui est dans un état déplorable, qui n'est pas du tout à l'image de ce qu'est l'Institut Lumière, et puis la chaussée ouest de la place Ambroise-Courtois, pour faire justement le lien entre tout ça. Donc le périmètre est un tout petit peu plus large que juste focalisé sur l'avenue des Frères Lumière, même si c'est cette grande artère qui est concernée. C'est un projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumière, et je veux insister là-dessus, de réaménagement, pas de piétonnisation. Le choix final sur la manière de faire ce réaménagement, il n'est pas arrêté. On a fixé des objectifs à ce projet, qui sont plus de place pour les piétons, parce qu'on voit bien que c'est une avenue effectivement très, très commerçante, très fréquentée. Il n'y a qu'à aller le samedi matin faire ses courses sur l'avenue des Frères Lumière, et on voit que les trottoirs ne sont pas suffisants aujourd'hui, que les piétons ne peuvent pas se déplacer dans de bonnes conditions. Une circulation sécurisée pour les modes doux, pour les cyclistes, parce que évolution forte du nombre de circulations cyclistes sur cette avenue, et on sait aussi que le stationnement en double file dans tous les sens fait que les vélos ne peuvent pas circuler correctement. Une végétalisation de l'avenue, vous l'avez dit, ça c'est important, c'est un îlot de chaleur fantastique dès qu'il commence à faire chaud dehors, et du coup ça n'est pas du tout agréable d'aller se promener dans la nuit des Frères Lumière quand il fait 35 degrés. Et puis un apaisement de la circulation, c'est ça qui est écrit dans la délibération qui a été votée à la métropole. Nulle part il est écrit fin totale de la voiture, piétonnisation. Mais par contre, vous ne le souhaitez pas du coup, parce que c'était plutôt ce qu'on avait compris de votre projet quand vous êtes présenté aux électeurs il y a deux ans. Le projet, quand il y avait une piétonisation des cœurs d'arrondissement. Non. Alors, il y avait un réaménagement des cœurs de quartier, créer des cœurs de quartier. Donc c'est bien ça qu'on fait. On réaménage un cœur de quartier pour recréer un cœur de quartier agréable à vivre. Maintenant, comment on le fait, vers quoi on va? C'est l'objet de toute la concertation qui est lancée depuis le 14 mars, qui va durer jusqu'au 14 mai, qui a été l'objet de réunions de travail avec les commerçants, avec les habitants, avec la MJC, l'Institut Lumière, avec les collèges, les lycées. Donc tout le monde est associé à cette concertation. Il y a une réunion le 29 pour faire une petite présentation publique de tout ça. Et puis, il y a une plateforme qui est ouverte par la métropole qui s'appelle jeparticipegrandlyon.com, sur laquelle il y a déjà énormément de contribution des habitants et des habitantes, et des commerçants, et de tout le monde qui peut aller donner son avis. Le résultat de tout ça sera analysé et permettra de formaliser des scénarios d'aménagement qui seront présentés en retour aux habitants. – Alors on a reçu en revanche cette semaine Droit du piéton, mercredi, qui est l'association historique de défense des piétons, qui s'inquiète de voir que dans votre discours, la piétonnisation disparaît au profit de l'apaisement du centre-ville. Est-ce que vous avez renoncé à piétonniser ces cœurs de quartier ? Moi, je renonce à rien, puisque je vous redis, encore une fois, que c'est le résultat de la concertation qui définira ce que l'on fait. Des piétonnisations, on en a fait depuis le début du mandat. Je veux rappeler quand même le nombre de rues devant les écoles qu'on a fermées totalement, qu'on a piétonnisées pour sécuriser l'accès des enfants aux écoles. On vient aujourd'hui, la semaine dernière, depuis le début de cette semaine, de modifier dans ce même quartier de Montplaisir la rue des Alouettes pour sécuriser les 1600 enfants qui vont dans un groupe scolaire, les personnes âgées de l'EHPAD qui sont à côté, qui ne peuvent pas passer sur le trottoir en fauteuil. Donc on le fait, j'ai absolument pas de problème avec ça et je l'assume pleinement. Sauf que je ne vais pas donner aujourd'hui une solution sur un projet qui est l'objet d'une concertation. La solution, je ne la connais pas, elle est en construction. Alors, autre inquiétude qui s'est exprimée à cette occasion, elle vient plutôt des autres quartiers du 8e arrondissement, qui se demandent si c'est bien pertinent d'investir 3 millions dans un quartier qui fonctionne plutôt bien, alors que d'autres, et c'est notamment le cas des États-Unis, s'inquiètent notamment de voir disparaître leur commerce et se demandent pourquoi ce ne serait pas plutôt vers eux que seraient affectés ces moyens. Alors, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Le quartier des États-Unis, c'est un quartier qui est assez dynamique, qui est un quartier qui a de fantastiques atouts. Moi, je me bats contre les personnes qui veulent le tirer vers le bas en permanence en ne montrant que les aspects négatifs du quartier.
Il y a des choses qui vont pas bien, il y a des choses qu'il faut traiter, qu'il faut résoudre. Il y a des difficultés sur un marché sauvage, par exemple, auxquelles on s'est attaqué dès le début de mandat et pour lesquelles on commence à avoir des résultats. J'étais encore la semaine dernière avec les commerçants, les producteurs qui sont sur le marché des États-Unis, qui reconnaissent l'ensemble des efforts qui sont faits. Et puis, il y a les commerces, qu'il faut qu'ils aient attention, du boulevard des États-Unis. Ce boulevard ne manque pas de commerce, encore une fois. Le quartier des États-Unis, c'est 34% du chiffre d'affaires de l'arrondissement des commerces. Donc, ce n'est pas rien. Ça représente quelque chose. En incluant le marché. 26 commerces fermés ces 20 dernières années. Et c'est la diversité des commerces qui est en jeu. 26 commerces, quand on dit 26 commerces fermés ces 10 dernières années. Rien d'exceptionnel, encore une fois. Ce qui est mis en cause, c'est par quoi ils sont remplacés au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle on a lancé au niveau de la ville, en lien avec Grand Lyon Habitat, qui est le bailleur social, qui est propriétaire d'une grande partie des baux des commerces sur ce boulevard, une étude sur l'attractivité commerciale du quartier. Cette étude, elle vient d'être rendue, on est en train de l'analyser, pour voir justement comment on va travailler la diversification des commerces sur ce quartier. On est en train aussi de travailler pour pousser à la recréation d'une association de commerçants, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des interlocuteurs qui structurent la parole et qui nous aident à avancer sur ce quartier. Donc voilà, ce quartier, il a des atouts. On va ouvrir, il va y avoir d'autres commerces qui vont s'ouvrir. Il y a une association passerelle qui va s'ouvrir bientôt. Il y a un café social qui va s'installer bientôt sur ce boulevard. Il y a des choses à faire. Je suis le premier à dire qu'on a besoin, par exemple, d'un café, d'une brasserie, d'un restaurant, que les gens qui viennent au musée urbain Tony Garnier puissent, en sortant, aller s'acheter un croissant et prendre un café en terrasse correctement. Donc oui, il y a des choses à faire et on y travaille. Mais moi, je vois le côté positif de ça, et certainement pas le côté qui enterre le quartier dans ses aspects négatifs. – Donc ce que vous engagez, en fait, pour parler clairement, vous engagez à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle boucherie halal qui ouvre ou un nouveau coiffeur réservé aux hommes qui ouvre ?– Il y a de très beaux commerces sur ce boulevard des États-Unis. Il y a de très bonnes boucheries. J'entends qu'une partie de la population puisse ne pas se retrouver dans cette forme de commerce. Ça, il faut le traiter et il faut qu'on l'entende. C'est ce que je vous dis sur le côté de la diversification de l'offre qui puisse correspondre à tout le monde. Mais ne jetons pas la pierre sur les commerces qui sont là et qui existent, parce que c'est eux qui font vivre le quartier et qui correspondent à la demande d'une grande partie de la population du quartier. Donc moi, ces commerces, ils sont là, ils font leur travail, ils sont utiles, je leur jette absolument pas la pierre. Par contre, oui, on a besoin de travailler à ce qu'il y ait toute forme d'autres commerces qui viennent, y compris pas que des commerces alimentaires d'ailleurs, y compris des commerces d'habits, de chaussures, voilà, il y a un cordonnier, il faut qu'il reste là, on a besoin de tout ça. Il faut dire aussi ce que vous ne voulez pas, vous voulez plus de banques, vous voulez plus de sociétés. Alors, on pense que les pas de porte actuellement qui se libèrent, effectivement, il vaut mieux qu'ils soient sur du commerce qui fait vivre le quartier, qui fait la proximité de cœur de quartier, qui évite que les gens prennent leur voiture pour aller consommer dans des grandes surfaces en périphérie. Donc oui, on préfère effectivement avoir des commerces qui sont attractifs pour le cœur de quartier qu'effectivement un certain type de boutique. On n'a rien contre les banques, mais si on n'a que 15 banques sur l'ensemble de l'avenue, ce n'est pas ça qui dynamise et qui fait la vie de quartier. Autre sujet important pour le 8e arrondissement, c'est l'avenir de la Maison de la Danse. On a été surpris par l'annonce du départ de Dominique Hervieux en fin d'année dernière. Est-ce que ça ouvre une crise pour la Maison de la Danse ? Je ne vois pas en quoi ça ouvrirait une crise pour la Maison de la Danse. Dominique Hervieux a fait un travail fantastique dans la poursuite de Guy Darmet. La Maison de la Danse a continué à prendre une ampleur nationale et internationale. Il faut lui rendre cet hommage et on l'a fait à l'occasion de son départ. Le maire de Lyon l'a fait à l'occasion de son départ. Elle est partie prendre un projet fantastique. Allier le sport et la culture dans le cadre des JO de Paris. Voilà, donc on est très heureux pour ce projet, pour l'avenir, pour ce que fait Dominique Hervieux. On la remercie pour tout le travail qui a été fait. Il y a une transition qui est en train de se faire, il y a eu un appel à candidature, les choses sont en train de suivre leur cours. Et puis, il y a surtout un avenir pour cette Maison de la Danse avec la création des ateliers de la danse à 200 mètres de la mairie du 8e et de son siège historique qui est la Maison de la Danse, qui est un projet fantastique à mener. Ça, c'était la décision en arrivant, effectivement, de renoncer à leur installation dans le musée Guimet pour les installer au cœur du 8e arrondissement, à côté de la Maison de la Danse. Ce sera sur l'îlot Kennedy, où vous allez aussi construire une piscine, un groupe scolaire. Alors, c'est la décision qui a été prise avec Nathalie Perrin-Gilbert et le maire de Lyon. Moi, je rends hommage au travail qu'a fait Nathalie Perrin-Gilbert sur ce sujet pour favoriser l'implantation des ateliers de la danse sur cet îlot Kennedy. Îlot Kennedy, c'est 60 millions d'euros de travaux. Le chantier. C'est le plus gros chantier du mandat sur la ville de Lyon.
avec la reconstruction d'un groupe scolaire qui actuellement est un établissement scolaire de type Payron, donc extrêmement, d'un autre âge, en l'occurrence, qui a besoin d'être construit. La construction d'un complexe sportif avec une piscine, parce qu'un arrondissement de 90 000 habitants, et on sait que Lyon manque de piscine, donc on a besoin d'une piscine. Projet qui était pensé, mais qui n'était réservé qu'aux associations et aux scolaires. Je ne me voyais pas dire dans le 8e, on construit une piscine et dire aux habitants, vous ne pourrez pas y aller parce que vous n'avez pas le droit, elle n'est pas faite pour vous. Donc on a changé ce projet pour en faire une piscine grand public ouverte. Et puis à côté de ça, les ateliers de la danse qui vont venir s'ajouter sur cet îlot. Un dernier mot, vous avez été victime début février d'une agression de la part d'Edalton, ces collectifs rappeurs, délinquants, donc une agression à la bombe à eau. Ils ont refait parler d'eux cette semaine avec cette fois des tirs de paintball sur la préfecture. Est-ce qu'il y a une place pour la discussion avec ces groupes ? Mon avis, il ne peut pas y avoir de place pour la discussion avec des personnes qui agressent et qui se mettent dans le champ d'action illégale, répréhensible, condamnable par la loi. Il n'y a pas de place pour moi à discuter dans ce cadre. Moi, une agression, même si ça n'est qu'une bombe à eau, en l'occurrence, ça reste un geste extrêmement violent. Extrêmement violent. Donc non, pour moi, il n'y a pas de place à la discussion. Dernier mot sur l'élection présidentielle. Comme beaucoup d'autres élus écologistes, on vous voit assez peu présent dans la campagne. Ce n'est pas de chance pour Yannick Jadot. Dans cette campagne, les élus écologistes sont au pouvoir, ils n'ont pas le temps de faire campagne. Alors, c'est certes, les élus écologistes sont au pouvoir et il y a une charge de travail qui est importante. Pour autant, on fait quand même campagne. On était dans les meetings, notamment le lancement de la campagne de Yannick Jadot. On fait quand même des tractages sur les marchés. On va à la rencontre des habitants. Est-ce qu'on pourrait en faire plus ? Très certainement, oui. Mais il se trouve que les journées ne font malgré tout que 24 heures. Et même si je dors peu, j'ai quand même besoin de 5 heures de sommeil par jour. Olivier Berzane, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.